L'histoire du groupe Louis Pasteur a démarré en 2001. Quand nous avons repris des médecins, des salariés de l'établissement, la clinique des Célé Nancy, on est parti à une petite centaine de personnes pour porter un nouveau projet où donc le fait d'être ensemble, de porter les mêmes valeurs, était quasiment un gage de réussite. On n'avait pas besoin de financiers, il fallait des professionnels de santé, des médecins, des soignants. C'est la valeur essentielle hein, qui porte notre métier. On ne peut pas gérer, manager un établissement si on n'a pas compris hein, l'essentiel qui est le patient et l'équipe qui le prend en charge. Aujourd'hui, le groupe Louis Pasteur, c'est 5 établissements sur toute la Lorraine. Et on est passé de cet établissement unique dans la banlieue de Nancy à un groupe d'établissements en proximité parce qu'on a vite été convaincu qu'il n'y avait pas d'obstacle à apporter, même dans une petite ville de Lorraine, une qualité de la prise en charge et les meilleurs moyens pour soigner les patients. Et donc, à contrario de la concentration qu'on peut retrouver dans beaucoup de domaines et même dans le domaine de santé, on a fait le pari qu'on pourrait, nous, continuer à porter une qualité de la prise en charge dans nos cliniques en proximité. On a beaucoup de patients hein, qui viennent du fin fond des Vosges, bon, en cardiologie notamment. Et effectivement, si les médecins de Pasteur peuvent aller apporter leur collaboration à leurs confrères, c'est bien pour les patients. Quand un établissement en fait, est en difficulté de recrutement de médecins pour telle ou telle raison, un établissement appartenant au groupe peut déléguer, on va dire, des moyens pour venir en renfort ponctuellement ou de façon pérenne en attendant en fait, de nouveaux recrutements. Le fait d'avoir un quadrillage très fort actuellement sur la Lorraine et certainement à l'avenir, je lui souhaite en tout cas sur le Grand Est, c'est une très bonne vision des besoins, c'est une très grande réactivité par rapport aux différentes cliniques. Pour pouvoir répondre un petit peu, intervenir sur toutes les zones de la Lorraine, il faut des grandes équipes, il faut être nombreux. Bien sûr, le but étant d'amener le soin au contact de la population, mais de ramener également vers les centres lourds les cas les plus difficiles. C'était aussi une crainte de perdre un petit peu cette humanité et ce centrage sur le patient. Mais vraiment, moi, avec le temps, je me rends compte que non, on le perd pas. Même avant d'avoir appartenu au groupe Pasteur, c'était un petit peu ça. C'était d'avoir finalement presque une relation familiale avec les patients et avec leurs familles. Donner la possibilité à ces patients qui viennent dans une petite structure d'être un petit peu chouchoutés, choyés à un moment où ils vont vivre une expérience qui n'est pas forcément toujours très agréable pour eux. La bien-traitance du patient en tant que tel, moi ça fait 35 ans que je travaille et on l'a toujours pratiqué, voilà, ça c'est clair. C'était une des valeurs, une de mes valeurs et une des valeurs de la clinique Sainte-Lucie au départ. Hein. Alors c'est sûr qu'on a évolué dans la prise en charge, ça c'est clair. Mon grand-père il est mort en 80 d'un infarctus à 58 ans, je pense qu'aujourd'hui il serait toujours en vie. Donc il y a des progrès majeurs. Le patient ne vient plus, il est soigné, il vient et il fait partie de notre équipe et c'est lui aussi qui est dans la dynamique « je me fais soigner ». Je ne suis plus soignée mais je me fais soigner et j'aide l'équipe à me prendre en charge. Quoi. L'ARS milite beaucoup pour un plan, ce qu'on appelle « hôpital-ville », donc c'est créer du lien puisqu'on met les gens plus vite dehors. C'est vrai que ce lien entre les infirmiers, infirmières de ville, avec les médecins de ville, il est pas naturel et on est en train de le créer peu à peu. Initialement, en tout cas pour les professionnels médicaux, mettre les gens dehors, c'était une prise de risque.
On ne pouvait pas entendre que c'était pour des raisons économiques qu'on mettait les gens dehors. Il fallait que, quelque part, le fait d'être à la maison, on soit aussi bien, voire mieux, parce qu'on se lève plus, on n'a plus de perfusion, on se réalimente plus rapidement, donc il fallait que ça ait du sens, tout ça. Lorsque nous avons repris cet établissement, nous avons commencé à regarder ce qui se passait, prendre les bonnes idées, parce qu'il y a des bonnes idées partout, puis après à harmoniser avec le groupe Louis Pasteur, en pleine collaboration entre la direction, nos cadres et la CME, les équipes médicales. Chaque établissement a une CME et les présidents de CME sont amenés à se rencontrer plusieurs fois dans l'année et à échanger sur leurs problèmes qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais il y a tout de même un certain nombre de problèmes qui sont communs au groupe. Moi, en tant que président de la CME, je participe aux réunions de groupe pour avoir vraiment une vision globale de ce qui se passe au sein du groupe. La réponse ou la solution à notre problème local n'est pas forcément sur place. C'est les autres équipes qui ont dû s'affronter avec les mêmes problèmes, qui ont eu une solution et qui est adaptable très facilement à nos pratiques ici localement. Il y a encore quelques années, vraiment chacun travaillait de son côté et pour les mêmes prises en charge, on pouvait avoir des protocoles qui étaient différents. Maintenant, on a vraiment notre logiciel qui est un logiciel de groupe où on peut retrouver tous les protocoles d'établissement, des établissements et du groupe. Bien entendu, ces modifications de pratique, ce n'est pas que le médecin qui change. Et c'est toute la prise en charge. Alors ça peut être l'étape administrative, ça peut être les prises en charge du personnel paramédicaux, de l'aide-soignante qui apporte les repas. Il faut les faire adhérer à ces changements de protocole qui étaient une vérité il y a 10 ans et qui devient une erreur maintenant. Donc en effet, ces changements, il faut les gérer avec l'ensemble de l'équipe. On est toujours en recherche d'innovation, tant en termes de matériel, en termes techniques, en termes d'anticipation même sur le futur. L'innovation, c'est souvent des choses très très simples. C'est souvent une organisation efficiente. C'est également associer la direction, les médecins, mais également nos cadres dans l'organisation des soins. On n'est plus dans une structure pyramidale, ça ne fonctionne pas correctement dans une clinique, donc il faut de plus en plus cette innovation de management dans l'établissement, cette proximité avec les dirigeants, ce qui permet de pouvoir avoir une meilleure activité et une meilleure adaptation aux patients. Le fait d'être un groupe nous permet de développer des moyens financiers pour innover dès qu'il y a effectivement des choses intéressantes. Le groupe Pasteur se positionne pour innover. C'est valable pour certaines techniques de chirurgie orthopédique, c'est valable pour les robots opératoires, c'est valable aussi, à mon niveau, dans les progrès de l'endoscopie diagnostique et thérapeutique. En cardiologie, on a fait plein de choses en avant-première. On a des cardiologues qui font des congrès nationaux ou internationaux. Le CDT, le centre de douleur thoracique, on a été les deuxièmes à le créer. La syncope, je crois qu'on est le premier dans l'Est. La santé est un élément très exigeant. Les patients attendent ces exigences-là, les pouvoirs publics attendent ces exigences. Donc il faut pouvoir à la fois renouveler le matériel habituel, mais en même temps aller vers les innovations technologiques. Donc ça a été essentiellement le plus gros du travail, c'est la reconstruction du bloc opératoire avec toute la modernité qu'il y a à l'intérieur, toute la technologie qui correspond aux besoins actuels et certainement aux besoins futurs pendant quelques années. Cet établissement dispose d'un bloc performant, innovant, high-tech. On suit en fait le patient du début de l'entrée dans le service jusqu'à l'entrée du bloc et jusqu'à sa sortie de bloc. Donc on sait en permanence, avec les outils qui ont été mis en place et les réorganisations mises en place, on sait exactement où le patient est et à quel niveau de prise en charge il se situe.
Je travaille beaucoup, moi, à innover dans le domaine de l'informatisation du dossier patient, dans l'informatisation des prises en charge, qui amène beaucoup de qualité, parfois de la contrainte, qui élève un petit peu le niveau d'exigence, mais qui aussi amène beaucoup de qualité dans notre travail quotidien. Il y a un cap qui est donné par notre direction. En termes d'innovation, c'est vrai qu'il y a un cap, on suit quelqu'un déjà. On a ces valeurs, on les partage, c'est pour ça qu'on reste ici, pour cette innovation. On doit partager cette valeur pour pouvoir progresser tous ensemble. Ouais, ça c'est hyper important pour tous. Je trouve qu'on est une famille, voilà, et donc dans la famille, on s'entraide, on coopère. On a cette coopération avec les médecins, c'est hyper important, on a une proximité et on a une coopération directe aussi avec la hiérarchie. La coopération, bien évidemment. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler, et à mon avis, quel que soit le secteur d'activité qu'on a, mais encore à plus forte raison en fait dans le monde de la santé, parce que c'est un monde compliqué, on ne peut plus travailler en fait sans coopérer. Vous ne pouvez pas avoir d'établissement hospitalier, aussi bien public que privé, sans collaboration. Déjà, une clinique sans médecin, ça n'existe pas, premièrement. Deuxièmement, les médecins, on leur demande de faire une bonne médecine. Nous avons notre personnel infirmier, aide-soignant qui concourt aux soins. Sans équipe homogène qui pousse dans le même sens, ça ne peut pas fonctionner. On est vraiment une communauté qui échange et qui partage dans la prise en charge des patients. Donc ça, c'est quand même un point qui est fort. Cette communauté médicale qui travaille dans un bon état d'esprit de coopération, elle retentit aussi sur les personnels soignants qui sont à nos côtés et elle déteint sur ces personnels. Depuis longtemps, l'éthique a pris une proportion très marquée dans l'établissement avec des groupes de différentes personnes de l'établissement, quelle que soit la fonction, qui participent à ces réunions de manière à se forger une mentalité pour être justement à la fois dans le respect de l'autre, dans la prise en conscience des évolutions de la société et de la non-discrimination, bien évidemment. L'éthique, pour moi, en médecine, c'est déjà des soins de qualité. Il faut avoir des bonnes indications, traiter les bons malades et leur offrir l'optimum des compétences. Je ne suis pas philosophe, mais en tout cas dans ma pratique médicale, je pense que l'écoute, le respect, la transparence, la communication avec le patient, c'est des éléments de l'éthique médicale qui me semblent majeurs. S'interroger au quotidien, on va dire, sur ses pratiques, se remettre en question en permanence. Pour moi, c'est prendre en charge le patient dans les meilleures conditions, en le soignant, mais en même temps en respectant un petit peu lui ce qu'il est, ce qu'il a envie. Donc c'est là la frontière qui est difficile, parce que est-ce qu'on fait vraiment ce que le patient a envie qu'on fasse pour lui, ou est-ce qu'on fait, parce que c'est notre métier de soigner et de trouver des choses. Et ouais, c'est vraiment, on pourrait débattre là-dessus pendant des heures, mais c'est vraiment un thème qui est compliqué. Le respect, ben déjà c'est ça, moi, pour moi l'éthique, c'est le respect des autres. C'est quelque chose que j'essaye d'impulser. Et c'est en montrant, je pense, en étant soi-même respectueux des autres, qu'on peut faire passer ce message et emmener les autres aussi. Dans 20 ans, j'espère que je serai encore là pour voir le futur du groupe, et je suis convaincu qu'il sera toujours là dans 20 ans, et que ce maillage qu'on a déjà créé, ben, il sera différent, il sera encore plus étroit, plus en proximité. Aujourd'hui, on est tout à fait dans la logique du circuit court. On doit pouvoir faire en proximité le maximum de choses, et on est convaincu que c'est le cas. Et donc c'est ce qui nous porte. Donc on va continuer ce maillage, mais non pas en l'étendant, mais plutôt en l'affinant. Donc dans 20 ans, Pasteur, ça ne sera pas uniquement 5 établissements de santé, ça sera beaucoup plus de professionnels autour de la santé, j'espère bien, qui travailleront ensemble.